de 12,8%. Suite à l'application du premier cas de COVID-19 en RDC, le 10 mars 2020, le gouvernement congolais avait pris une série de mesures pour protéger la population, notamment la fermeture des frontières et des écoles, instituts supérieurs et universitaires. Comme partout dans le monde, la COVID continue à faire des victimes, avec un impact négatif dans tous les secteurs de la santé et de l'économie. Grâce à la coopération internationale, un effort est en train d'être déployé afin de rendre disponible et fournir en quantité suffisante les vaccins contre la COVID-19 dans tous les pays, y compris la RDC, ceci afin de maîtriser cette pandémie. La RDC a exprimé une manifestation d'intérêt pour l'accès aux vaccins et a développé un plan de production avec l'appui des partenaires en tenant compte des orientations du SAGE et des recommandations du groupe de travail consultatif sur la vaccination. Ce plan de déploiement de vaccination contre la COVID-19 cible en priorité le groupe à haut risque que voici. Les personnels de santé de première ligne, les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment le diabète et l'hypertension, ainsi que les autres maladies cardiovasculaires. Les personnes âgées de 55 ans et plus. Ce plan a été validé par le comité d'analyse au niveau global et par le groupe d'experts congolais en matière de vaccination au pays. Distingués invités, permettez-moi de rappeler que depuis la nuit du temps, la vaccination est et reste le seul moyen efficace pour prévenir et lutter contre les maladies provoquées par les virus tels que coronavirus. Le vaccin contre la COVID-19 protège l'individu qui reçoit, et spécialement les personnes les plus exposées. La personne qui le reçoit réduit le risque de complications qui est à la base de décès chez les plus vulnérables. Par ailleurs, il est aussi à noter, que la vaccination a un impact positif sur la reprise de la vie sociale et économique, car constitue le moyen le plus sûr qui nous permettra de lever les mesures de restriction telles que le couvre-feu, la limitation du nombre de personnes en réunion, fêtes, églises et autres manifestations publiques. Distingués invités, la ville de Butembo, faisant partie de l'antenne BTS, lance officiellement la vaccination contre la COVID-19 à ce jour du 13 mai 2021. Le vaccin qui est utilisé en RDC est celui du groupe pharmaceutique, tel que l'a souligné le cordon, sur des britanniques AstraZeneca. Ce dernier est déjà utilisé en Europe et dans certains pays africains. Le choix porté sur ce vaccin, parmi tant d'autres, a été éclairé par un groupe d'éminents professeurs congolais qui ont pris le temps d'analyser son efficacité. Ce vaccin sera administré par le personnel soignant formé qui ont l'habitude d'organiser les séances de vaccination à travers les formations sanitaires préalablement sélectionnées. Nous avons l'hôpital général de référence de Kipatumba, nous avons Kato, nous avons Clinique Universitaire du CG, nous avons l'ISTEM, nous avons le CH Mutuma, nous avons le CH Mutchanga, Maman Moussaï, CEPCA, Ngoto, CH Makasi, CS Mondo. Ce vaccin ne sera pas administré aux enfants. Toutefois, il reste important de s'assurer que les enfants continuent à recevoir les vaccins infantiles de routine. Après la vaccination, le respect des gestes barrières doit être toujours
toujours observé. Que vive la RDC, que vive la province d'El Kivu, que vive la ville de Butembo. Je vous remercie. Représentant le ministère de la Santé à ce lieu ici, et les différents collègues médecins chefs de zone et chers prestataires de soins. Bonjour. L'occasion nous est offerte ici, représentant tous les autres partenaires qui appuient le ministère de la Santé, afin de prononcer un mot. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le hub de Butembo en général. Il s'agit du lancement de la vaccination au niveau du pôle de Butembo. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu vient en deuxième position après la ville-province de Kinshasa, qui a un grand nombre de cas confirmés de COVID-19. Et donc après la ville de Goma, c'est Butembo qui a un plus grand nombre de cas confirmés. Et parmi les stratégies qui nous permettent de couper la chaîne de transmission, c'est évidemment la mise en place ou bien le lancement de cette vaccination qui va aussi nous permettre de pouvoir prévenir pour toutes ces personnes qui sont vulnérables par rapport à cette pandémie de COVID-19. Donc, au nom de tous les autres partenaires qui donnent un appui technique au niveau du ministère de la Santé, que ce soit un appui logistique que nous continuons à apporter auprès du ministère, ensemble avec les collègues de l'UNICEF, nous félicitons la province du Nord Kivu par ce lancement qui va se faire tout à l'heure par le maire de la ville. Et nous invitons tous les prestataires de première ligne à pouvoir, évidemment, être prompts à pouvoir avoir ce vaccin à ce jour et qui va continuer. Pour toute la population de Butembo, comme venait de le dire le chef d'antenne, c'est que les personnes de troisième âge, il y a aussi des personnes qui ont des comorbidités, ils sont tous invités. Le vaccin, c'est juste pour protéger. Loin des rumeurs qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux, nous rassurons que nous serons là à côté du ministère pour continuer à accompagner. Merci. Ville de Butembo, chers médecins, chers de zone ici présents, chers partenaires ici présents, ainsi que les prestataires et toute la population, nous vous saluons. C'est pour nous un grand plaisir de nous retrouver encore en ce moment, devant vous, pour cette activité qui va nous permettre de lancer la vaccination sous le lead du maire de ville de Butembo. Mes prédécesseurs ont dit pas mal de choses. Je ne vais pas m'attarder à répéter ce qu'ils ont déjà dit. Néanmoins, on va quand même rappeler certaines données épidémiologiques. À ce jour, la province a plus de 2700 cas confirmés COVID. Et lorsque nous venons au niveau de l'antenne BPS, nous sommes à environ 814 cas confirmés, bien sûr, en partant de la date où on a enregistré les premiers cas confirmés. En ce moment-ci, lorsqu'on essaie de voir les chiffres en lien avec les décès qu'on a enregistrés, nous sommes à 272 décès pour la province. Et au niveau de Butembo, nous sommes à 54. Lorsqu'on essaie de voir le poids en termes de proportion des personnes décédées dans le total, de ces 272, c'est environ 122 qui sont concernés de manière directe par cette vaccination. Je prends les personnes 55, 60 ans et plus, représentant environ 44%. Avec ces chiffres, vous vous rendez compte que il est plus qu'urgent de penser ou d'essayer de mener une action qui pourra nous permettre de réduire tant soit peu cette vitesse de propagation, arriver à réduire cette chaîne ou à casser la chaîne de transmission de cette maladie. La maladie à coronavirus, on l'a dit, et nous a endeuillés plusieurs fois. Et là, nous tenons à remercier
le gouvernement pour les efforts fournis, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Et grâce à l'approche COVAX, nous avons pu avoir ce vaccin. Le vaccin, nous le savons, il est gratuit, il n'est pas payant. Et on vous a donné la cible qui est concernée par cette vaccination. Ce que nous allons utiliser, c'est AstraZeneca, qui a été fabriqué en Inde, au niveau du grand laboratoire SII, Serum Institute of India. C'est un des sites de fabrication. Notre site est en Corée. Cette vaccination avec la première dose, lorsqu'on essaie de voir son efficacité, elle nous accorde une immunité minimale allant de 64-65 à 76%. Parlant de la deuxième dose lorsqu'elle est administrée, nous avons une immunité maximale avoisinant de 95%. Avec ça, vous vous rendez compte que le vaccin est efficace. C'est vrai que les gens vont parler, on a parlé des événements indésirables, et encore que ça n'existait pas seulement pour ce vaccin qui est aussi comme les autres médicaments. Un médicament safe à 100% n'existait pas. Si on a demandé ou si on a accepté que ce vaccin soit administré, c'est parce qu'on a essayé de faire une balance entre les risques et les bénéfices. Dès lors qu'on se rend compte que les bénéfices pèsent sur les risques, avec ça, on a des arguments qui sont suffisants nous permettant de prendre ou d'accepter ce vaccin. La cible qui est concernée, elle a été donnée. Et avec ça, je tiens encore à rappeler à nos prestataires et qui sont vraiment en première ligne d'adhérer à cette approche. Parce que si les prestataires sont tout le temps malades, je me demande qui va s'occuper de la population. On a intérêt à les protéger, on a intérêt à protéger la population. Et là, je vais paraphraser un de mes prédécesseurs. Quand on se fait vacciner, c'est un acte d'amour pour soi-même, un acte d'amour pour le prochain. Donc, j'interpelle encore tout un chacun de pouvoir adhérer à cette stratégie qui n'est pas seulement nationale, mais qui est aussi une stratégie mondiale. Avec la vaccination, nous pensons que nous allons vaincre cette maladie. Bien sûr, la maladie à coronavirus, nous devons apprendre à vivre avec elle. Monsieur le maire, nous tenons à vous remercier. Nous remercions toutes les personnes ici présentes qui se sont mobilisées pour cette activité. Merci.